Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Restauration à l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai changé les pneus de ma BSA C11 SL. Et donc ici, c'est des pneus de 3,0 par 20. Donc 3, l'épaisseur du pneu, on va dire. Et 20, le diamètre en pouces. Donc j'ai changé les pneus et les chambres à air. Pas les fonds de jantes, parce qu'ils étaient en bon état. Le tout m'a coûté 234 €. Mais rassurez-vous, si vous restaurez votre moto, il y a peu de chances que les pneus vous coûtent aussi cher. Parce que en fait, 20 pouces, c'est vraiment, on trouve très peu de pneus en 20 pouces. 18, on en trouve beaucoup, 19, 21 aussi, 17. Mais le 20 est un pneu assez rare. C'est pour ça que le prix aussi y était. Donc comment choisir un bon pneu? Alors déjà, on va oublier tous les pneus de vélo, parce qu'il y en a qui mettent ça aussi sur leur mobilette, et non, on ne met pas de pneus de vélo sur une mobilette. Ça ne va pas à la même vitesse, ça n'a pas le même poids non plus. On évite aussi, de manière générale, pour pas faire de mauvaise pub, les pneus à moins de 30-35 €. Une bonne marque de pneus, c'est Mitas. Il y a Virubber aussi, Continental, il me semble qu'ils refont des pneus pour moto anciennes, et peut-être Michelin. Mitas, c'est ce qu'il y a de moins cher en qualité. Alors, comment on fait pour changer ces pneus? Donc déjà, il faut soulever la moto. Dans l'idée, on va mettre une cale en dessous de la béquille, et si la moto ne tient pas en équilibre, on va remettre une cale en bois à l'avant du moteur. Alors quand on a mis la moto sur sa béquille plus une cale à l'avant du moteur, eh bien on peut enlever les deux roues. Alors si vous n'aimez pas le système que j'ai fait, il est possible sinon de la soulever et vraiment mettre une espèce de poutre à cet endroit-là tout en dessous du cadre. Bien faire attention de ne pas appuyer sur la trappe de boîte de vitesse ou de pompe à huile ou carter en dessous. On essaye toujours de tenir sur quelque chose de costaud. Déjà pour démonter ces roues, bon, la roue, il faut déjà décrocher le câble de frein avant, décrocher la commande de frein arrière. Le frein avant, bah, ces deux boulons, ils s'enlèvent. Moi, j'étais un peu piégé parce que le pas de vis, en fait, il est inversé. Pour se desserrer, c'était de ce sens-là, alors qu'à la normale, c'est de ce sens-là. Je me suis renseigné, apparemment, sur certaines motos, même des françaises, ils utilisent ce système-là, justement pour pas que ça se desserre quand on roule. Donc, bien faire attention, parce que si vous forcez et vous cassez tout, bon, il risque de falloir, découper le pas de vis cassé. Concernant la roue arrière, bon, on démonte les deux boulons, enfin on les desserre du moins, et on desserre les tendeurs, et après, d'où l'intérêt en fait d'avoir la moto surélevée, en fait on va pousser la chaîne vers l'extérieur, on va tourner la roue, et la chaîne va se décrocher. À ce moment-là, on pourra tirer la roue. Alors bien sûr, sur des motos comme celle-là, moi j'ai pu démonter cette petite partie du garde-boue, et finalement ça s'enlève très facilement. D'ailleurs, je dirais que démonter une roue sur des suspensions coulissantes est beaucoup plus agréable que sur un bras aussi. Hein. Mais bon, c'est à titre personnel. Comment on change ces pneus? Ce n'est pas moi qui ai changé mes pneus, parce que j'ai utilisé ceci. Donc c'est un démonte-pneu qui fait à peu près 15 cm de long, sauf qu'ils ont tous plié, ils n'ont pas marché, et pire encore, ça commençait à abîmer ma jambe. Alors j'ai appelé mon ami, qui m'a sorti des démonte-pneus d'à peu près 30 cm. Si je trouve une photo, elle s'affichera juste ici. Donc, en fait, il a mis 3 démonte-pneus qui arrivent à peu près là. Pouf! C'est sorti tout seul. Alors je pense que ces petits démonte-pneus peuvent servir pour des mobilettes, éventuellement. Mais à l'avenir, je commanderai des grands. Pour vous donner des explications un peu plus précises, malgré que je n'ai pas filmé, il est évident qu'il faut dégonfler le pneu. Mon ami, lui, par contre, avait un outil qui lui a permis de démonter la valve. Et du coup, là, on a un pneu qui est, comment dire, mieux dégonflé que ce qu'on peut dégonfler en mettant une clé dans la valve. À partir de ce moment-là, il a placé ses démonte-pneus tout en appuyant, en fait, sur les flancs opposés pour les faire revenir vers le milieu du pneu. À partir de ce moment-là, quand il a tiré sur ses démonte-pneus, le pneu est sorti. Donc une fois que le pneu est sorti, on contrôle bien sûr le fond de jante. Donc c'est une espèce de cercle en caoutchouc qui va protéger les têtes de rayon. Parce que les têtes de rayon peuvent justement percer la chambre à air. Alors si vous n'avez pas pensé à commander le fond de jante, ça peut marcher avec du Shatterton. Après à Decathlon, on peut aussi acheter du ruban adhésif spécial fond de jante. Il est blanc en tissu en général. Donc après pour remettre son pneu, on commence par mettre la première tringle. Ensuite, on gonfle légèrement la chambre à air. Ne pas faire l'erreur en fait, de mettre la chambre à air vide à l'intérieur, sinon on risque de pincer et d'exploser. Donc, on la gonfle
juste pour qu'elle prenne sa forme, et on la glisse dedans. Elle va se caler au fond du pneu. Et après, on remet la deuxième tringle sans utiliser de démonte-pneu. Tout à la main, on appuie, et ça rentre. On gonfle, et voilà. Et pour se faciliter la tâche, on peut mettre du savon sur la jante pour que le pneu glisse dessus. Du savon et pas de la graisse, parce que le savon, il glisse quand il est humide, mais quand il sèche, ça glisse plus. Après, qu'est-ce que j'ai fait après avoir changé mes pneus? Bien déjà, j'ai nettoyé mes jantes. J'aurais dû faire l'inverse. Pourquoi? Parce que l'idéal pour nettoyer les jantes et dégraisser, c'est de l'acétone ou du White Spirit. Mais comme j'avais mis des pneus neufs, je ne voulais pas agresser ce caoutchouc. Du coup, j'ai tout fait avec du liquide vaisselle. Ensuite, j'ai démonté mes moyeux. Donc les moyeux, je les ai démontés à la main. Donc ça sort. J'ai démonté les freins aussi avec. Donc j'ai dégraissé les freins. J'ai dégraissé les freins et j'ai redressé le moyeu. Alors hop, on a tout remis. Donc j'ai remis l'axe et j'ai tout resserré aussi à la main sans qu'il y ait de jeu dans la roue. Le temps que la mécanique se fasse, je pense qu'il est possible que je dois resserrer encore légèrement avec une clé, des clés plates. Mais voilà, sinon, moi j'ai toujours serré mes moyeux à la main parce qu'en fait, si on serre trop, ça presse sur les roulements et en général, la roue, elle se bloque. Ou sinon, le roulement se casse. Donc voilà, donc pour vérifier qu'on a bien serré, eh bien, il faut vérifier s'il y a du jeu dans la roue. Ça doit se sentir. S'il n'y a pas de jeu, ben c'est que c'est parfait. Il n'y a aucune chance de toute façon que ça se redévisse, parce qu'une fois qu'on a serré, qu'on a remis les roues dans son emplacement et qu'on a serré ici, en fait, le cadre vient presser contre les boulons qui tient justement l'axe du moyeu. Donc oui, concernant les freins, donc j'ai déglacé aussi les freins en les brossant par-dessus. On peut, si je veux améliorer les freins d'un moto, il suffit de passer sur des mâchoires modernes. En général, le produit qu'il y a dessus n'est pas le même, ça freine mieux en moderne. Alors, certaines vieilles motos ont des garnitures de freins qui sont riftées. Et quand on passe sur des garnitures entièrement collées, on sent la différence, ça freine mieux. À ce stade-là de ma remise en route, je suis à 310 euros. Dernièrement, j'ai reçu une commande. Donc, avec une petite pochette de joint, mon cadre de compteur, mon bouton code phare. Les caoutchoucs du coup que j'ai réinstallé et les caoutchoucs de guidon aussi. Et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la prochaine vidéo, le moment où elle va démarrer, qui j'espère va arriver très prochainement. Et bah voilà, c'était l'explorateur à moto et à plus pour de nouvelles aventures.